Bonjour à tous et bienvenue sur So Fresh and Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale coaching sportif. Oui, c'est vrai que le coach sportif a souvent une mauvaise publicité auprès des personnes qui ont des problèmes de santé et un désir de perte de poids, et chez les personnes surtout qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter Jérôme, qui est le coach sportif avec lequel je travaille depuis maintenant un an, et qui justement s'adapte à vous, s'adapte à vos problèmes de santé, à vos problèmes de poids, et surtout personnalise votre accompagnement et les exercices qu'il va vous donner et vous conseiller en fonction de votre morphologie et de vos objectifs ciblés. Donc vous allez voir, Jérôme nous explique tout ça, il va se présenter. Et du coup, l'objectif vraiment, c'est de vous faire prendre conscience que reprendre le sport, c'est un très bel objectif. Si vous avez des peurs, c'est normal. Si vous ne savez pas ni par où ni par quoi commencer, je vous conseille vraiment de contacter Jérôme. Voilà, je vous laisse le découvrir. À tout à l'heure. Bonjour Solène. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Alors, est-ce que tu peux te présenter justement, Jérôme ? Donc, je me présente, Jérôme, donc coach sportif depuis. J'exerce depuis à peu près 5 ans. Je suis des compétiteurs depuis plus d'une dizaine d'années, puisque aussi j'étais moi-même compétiteur. Voilà. Dans différents domaines, donc dans les sports de combat, cyclisme en compétition, cyclo-cross, course à pied, etc. Tu exerces dans quel secteur du coup ? Alors j'exerce dans un secteur sur Milly-la-Forêt et je me déplace sur un rayon d'à peu près d'une trentaine de kilomètres autour. Voilà. Et comment ça se passe ? Donc tu te déplaces à domicile ? Tout à fait, je peux me déplacer à domicile ou en salle avec des accords avec des salles dans le secteur ou proche du domicile de la personne en question. Ou en extérieur aussi, pour les gens qui ont besoin aussi de faire du sport en extérieur, parce que ça aère la tête et des fois, les gens sont demandeurs de ce genre de séances qui leur font du bien. Surtout ici, avec surtout le cadre à la forêt. Donc oui, tu peux emmener des personnes faire des séances en forêt, ou alors aussi des exercices à l'intérieur de leur domicile. Tout à fait, suivant la place qu'ils ont et les disponibilités, etc. Ok. Ouais, ça peut être pas mal, du coup tu t'adaptes aussi à l'agencement de la maison, de la personne. Tout à fait. C'est bien ça, parce qu'après du coup comme ça les gens peuvent pratiquer leurs exercices chez eux. Bien sûr. Avec les outils que tu leur as donnés. Tout à fait. Ouais, super. Et des fois très peu d'outils, puisque des fois des outils de la maison, j'avais fait une vidéo justement pendant le premier confinement. Ah. On mettra le lien c'est ça, de la vidéo. Tout à fait. Ouais. Dis-moi Jérôme, quel type de profil concernant mes patients tu accompagnes ? Alors, je peux accompagner deux types de patients avec toi. D'abord, un patient, le sportif. Donc, premièrement, le sportif de compétition, qui veut performer. C'est vrai que des fois, j'ai des marathoniens, par exemple. Tout à fait. Là, je suis des cyclistes aussi en compétition, aussi des professionnels en sport de combat aussi, parfois. Donc, voilà. Et puis, ou le sportif qui a eu une longue coupure suite à un arrêt sur blessure, ou, qui veut justement... suite à cette blessure, réathlétiser justement sa performance reprendre progressivement, c'est ça, et pour revenir en performance. Et aussi, des fois, par cet arrêt, une hausse du poids, et là, il faut justement revenir à un poids cohérent pour être performant. Donc ça, c'est le premier type de... Ouais, c'est vrai que ça, je vais le rencontrer beaucoup, hein, la personne en surpoids suite à un arrêt du sport. C'est ça. Blessure ou pas, d'ailleurs, hein, des fois, oui, bien sûr. Autre. Hein, ça peut être professionnel, familial. Ouais. Papa, beaucoup les papas aussi. Ah, si. C'est ça. Et justement, j'en avais un ce matin. D'accord. Un papa qui avait arrêté le sport, qui faisait du sport de haut niveau. D'accord. Et qui va reprendre progressivement. Ok, très bien. Et donc, deuxième profil, c'est les gens, toutes les personnes qui veulent, qui sont en surcharge des fois pondérale et qui ont besoin de perdre du poids pour leur santé, déjà cardiovasculaire, etc. D'autres problématiques, bien entendu, dues à un excès de poids. Et du coup, on pourra cibler aussi les séances par rapport à ça. Ok. Tu veux dire aussi, c'est-à-dire cibler les séances par rapport aux zones ? Aux zones qu'on va chercher à mincir. Voilà. Si c'est une femme qui a pris plus de ventre ou qui a pris plus de hanches. Voilà, c'est ça. On pourra axer par rapport à ça et l'aider justement dans la perte de poids et en commun avec ton programme aussi nutritionnel. Puisque, oui, bien sûr. Oui. Voilà. Justement, les deux vont. C'est ça, tout à fait. Alors, comment tu fonctionnes un petit peu en coaching ?
Donc tout d'abord, j'effectue des tests avec la personne pour voir justement son niveau de base cardiovasculaire, musculaire, etc. Voir si elle n'a pas justement au niveau position des problèmes posturaux aussi. Et puis ensuite, par rapport à ça, on établit un programme avec ses objectifs. Voilà. Et puis ça peut aller de 3 à 6 semaines minimum. D'accord. Voilà. Donc tu proposes un forfait en fait Tout ou à c'est à la fait, tout séance? à fait. Ça peut être à la séance, bien entendu. Ouais. Mais si sur des personnes type de profil qui veulent perdre du poids, et bien entendu, voilà, sur des semaines, des cycles de semaines pour justement pour du long terme, quoi. Ouais. C'est vrai que le forfait c'est bien aussi, Oui. surtout sur le plan motivation parce que du coup bah, la séance elle Tout à est fait. programmée donc Il y a un suivi elle est aussi, voilà. maintenue. Pardon. Il y a un suivi journalier, voilà, ou à la D'accord. semaine, suivant le type de forfait que la personne a pris et voilà ce qu'elle Ok. veut, ce qu'elle recherche. Où est-ce qu'on peut les trouver, tes forfaits? C'est toi qui les proposes en fait Oui, je les suite à la propose première ensuite à la séance première séance, pour tout à après fait. ton bilan? Voilà. D'accord, ok. Super. Donc en moyenne, si j'ai bien compris, un forfait non, de combien de temps en moyenne? De 3 à 6 semaines, t'as De dit? 3 à 6 semaines, Trois ouais, à six tout à semaines. fait. Et après, si la personne elle veut continuer du coup Voilà, on peut. de temps en temps un coaching, elle peut partir sur. Bien sûr, on peut partir sur un suivi justement à distance Ouais. aussi, hein, parce que je suis aussi des personnes à distance, mais au préalable quand même un rendez-vous test justement pour pouvoir avoir des bases solides. Je ne Ouais. travaille pas enfin, à distance sans test. Voilà. Oui, hein, tu m'as montré d'ailleurs hein, Oui, tout à fait. ton premier bilan, ton interrogatoire, les tests que C'est tu ça. fais. Donc c'est vraiment très intéressant parce que du coup ça vous permet vraiment bah, de personnaliser ensuite le coaching sportif, les exercices que tu vas proposer. Tout à fait. Et d'ailleurs si ma mémoire est bonne, tu refais ce même test après Tout à fait. et pour pouvoir justement Dans les pour mêmes que la conditions, personne elle voilà. puisse voir son évolution ouais, dans Donc les mêmes conditions voilà, c'est que. ça. Donc en fait, il y a les mêmes tests dans les mêmes conditions et aussi un test vidéo justement pour avoir un visuel Ouais, au donc c'est vrai que si départ vous et à la fin. souhaitez, voilà, si vous souhaitez être filmé pour voir votre point de départ et votre évolution plusieurs semaines plus tard, c'est ce que tu proposes. Tout à fait. Parce qu'en fait, même si on dit le coach, voilà, il nous dit effectivement on a des résultats, c'est toujours bien de le voir en 6 semaines la différence. C'est Et les ça. gens sont souvent bluffés parce qu'ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes. Ouais. Alors Jérôme, où est-ce qu'on peut te contacter? On va mettre un tes coordonnées, donc Tout ton à fait. numéro de téléphone. Oui, tout à fait, Et mon numéro de après tu téléphone. as. Et j'ai une page Facebook Ouais, ok. avec un contact direct, Messenger. Vous pouvez me laisser un message sur ma page Facebook, Junior Alpha Coaching Sportif. Bah merci Jérôme Merci à toi Solène. pour cette interview. Ok. Donc vous pouvez le contacter pour démarrer votre coaching sportif, perte de poids, compétition, sport de haut niveau. Jérôme est là pour vous dans le secteur Mille-la-Forêt, donc dans l'Essonne. Tout à fait. Merci à toi. À bientôt! À bientôt. Voilà, vous venez de découvrir Jérôme. Donc il était un petit peu stressé pour la vidéo, mais en réalité il est plutôt cool et détendu. Donc ne vous inquiétez pas, ce ne sera que de la détente tout en sportivant et en atteignant vos objectifs. Je vous remets ses coordonnées, son site internet dans la description de la vidéo. Et surtout, voilà, contactez-le pour reprendre le sport, pour cibler vos objectifs tout en vous amusant. Pour rappel, l'accompagnement Sofresh Diète que je vous propose en cabinet ou en visioconsultation d'ailleurs, c'est aussi un accompagnement dans la détente, la joie et la bonne humeur, où vraiment mon slogan mincir avec plaisir prend tout son sens. C'est-à-dire que je personnalise complètement votre programme alimentaire en fonction de vos goûts, en fonction de vos habitudes de vie pour que ce soit le plus facile possible. Je vous donne tous les outils pour gérer les restaurants, les anniversaires, les sorties, les vacances, les week-ends, bref, tout ce qui vous permet d'avoir une vie sociale et de profiter de la vie. Et bah parfois, nous sommes amenés aussi à aller chercher plus loin. Dans le psycho-émotionnel pour aller identifier des croyances ou des blessures qui font que pardon, vous êtes à un poids qui stagne sans comprendre pourquoi. Et ça, c'est pareil, on y va dans la douceur, dans la bienveillance et on va venir débloquer ces barrières qui sont là et qui peut-être vous ont entraîné d'ailleurs dans des schémas répétitifs. En tout cas, c'est vraiment dans le respect de vous-même et surtout dans le non-jugement, évidemment. Donc, toute cette notion de plaisir dans votre amincissement a vraiment son importance ici. Donc voilà, je vous laisse
justement prendre contact, contactez-moi, rendez-vous sur mon site internet pour en découvrir un peu plus sur ma méthode de travail. Tout s'affiche ici, le numéro de téléphone pour prendre rendez-vous et mon site internet www.solène-benimeni.com. En tout cas, je vous dis à très vite et surtout, régalez-vous bien.